Hey, coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, on se retrouve pour faire le bloc final de ce projet. Alors, hop, donc là, voilà notre album. Donc je vous l'avais montré, hein, de toute façon, quand je l'avais fini, j'ai juste encore mon petit papillon à mettre ici. Alors, cette vidéo va être... c'est une première, pas en vidéo, hein, parce que vous voyez, j'ai l'habitude, enfin, entre guillemets, on va dire. Mais là, la structure que je veux faire, c'est la première fois que je le fais. J'ai pas fait de prototype, hein. J'ai fait mes dessins, mais j'ai pas de prototype à vous montrer en fait. Donc là, j'espère que cette vidéo sera bonne. Bon, si elle est publiée, c'est que ça a marché. Mais elle sera peut-être un petit peu chaotique, entre guillemets, pour les plis ou quoi. Mais alors, je vais vous expliquer en gros ce que j'aimerais faire. Donc là, j'aimerais avoir ce devant-là, avec ici, hop, ça, le fond, ici, les côtés. Donc, hop. Et là également. Donc là, ça sera l'emplacement où on va mettre du coup notre album. Et là devant, je vais faire un genre de scénette de devanture de salon de thé, de magasin de thé en fait. Donc j'espère que ça ira. Alors moi, j'ai pris les mesures, j'ai pris un petit peu plus grand que mon album. Donc si vous faites comme moi, il va vous falloir un morceau de carton de 16 par 26. Deux morceaux de 7 par 11, un morceau de 11 par 16 et un morceau de 7 par 16. Alors, moi je vais prendre pour recouvrir mon papier crème de chez Action parce que le jaune est trop épais, donc j'ai peur que ça se craque. Donc j'en ai sorti 3, mais je ne sais pas, peut-être que si 3, je devrais en avoir assez normalement. Donc là, pour l'instant, je vais en prendre qu'une. En fait, cette base-là, je vais venir déjà la recouvrir comme quand on fait un album. Donc, vous voyez, couper, hop, ici, en biais, replier et tout. Et après, je viendrai faire mon rectangle et on viendra le coller dessus. Donc, j'espère que ça va aller. Donc là, je vais mettre mon double face au dos et je vais venir le coller. Je vous reprends tout de suite. Donc, voilà, j'ai mis mon double face. Bon. Je prends des risques avec cette vidéo. Hein. Vous vous rendez pas compte, mais faire une structure sans prototype, sans rien. Quand c'est une base d'album, ça va, c'est faisable. Mais quand c'est un autre truc qu'on n'a jamais fait, on verra. S'il y a des erreurs, ben, il y aura des erreurs, mais au moins je serai contente de l'avoir fait. Bon, comme je venais de vous dire, si vous voyez la vidéo, c'est que ça a marché. Peut-être avec des petits couacs, mais ça aura marché. Donc là, j'ai enlevé légèrement et je viens mettre pour qu'il y ait à peu près 1 cm, 1,5 cm autour. Donc là, hop, hop, et hop. Alors attention, par contre, si vous prenez du calendrier comme moi, on peut voir légèrement à travers. Moi, je m'en fous parce que ça va être recouvert de papier imprimé, donc ça m'embête pas. Sinon, quand je sais que c'est ma base, eh ben je colle une feuille de papier imprimante de 80 grammes et puis voilà quoi. Donc là, je vais couper un petit peu le surplus, mais là je sais que je vais mettre du papier imprimé et tout, donc ça me dérange pas. Donc là, voilà, je prends mon outil pour faire mes angles. En fait, là, c'est la même base qu'un album qu'on fait. Peut-être un petit peu trop. Hop, voilà. Voilà. Et là, on va pré-marquer nos plis. Et là, on va venir tout coller le contour. Donc, je colle tout et je vous reprends. Donc, voilà. Donc, là, j'ai terminé. Je le laisse de côté bien sécher. On viendra le recouvrir un petit peu après. Alors, là, du coup, on va prendre
Donc ça c'est notre bord de devant. Hop. Donc ça c'est comme ça et là comme ceci. Ouais. Alors hop. Alors on essaye de tout bien faire rentrer dans le champ. Donc là j'ai sorti mon scotch et on va commencer. Alors par contre ici on va pas faire l'espace comme on fait d'habitude parce qu'en fait là celui-ci faut que ça vienne hop dessus parce que sinon vis-à-vis de hop si on le met ici et qu'on le met sur le côté ça va dépasser de chaque côté. La petite marge ici qu'on a va dépasser. Donc là on va mettre un morceau. On va mettre comme ceci. Alors j'espère que ça va aller. Donc là, hop, je le mets bien à bord. Donc là, je vous montre comme ça. Hop, je le mets bien à bord ici. Et je vais venir du coup hop, le fixer comme ceci. Voilà, ici. Donc voilà, c'est ça. Donc là, il y a un petit jour, mais c'est normal. Hein. Donc là, hop, je coupe en deux de chaque côté. Hop, et on va venir plus proprement, ça sera mieux comme ça. Alors je vais peut-être faire des erreurs comme je vous dis, mais moi c'est la première fois que je fais ce genre de vidéo, donc ne m'en voulez pas si des fois vous dites mais non c'est pas comme ça, il faudrait faire lui faire comme ça. Hop, et bon. Là, je vais enlever ce qui dépasse. Hop, voilà. Donc, normalement, hop, ça vient au-dessus. Voilà. Donc là, vous voyez, ça vient au-dessus. On fait la même chose du coup de l'autre côté. Pour celles qui font du cartonnage, je crois que c'est pas ici qu'il faut venir pour voir un tuto. Mais bon, ça va aller, Valou, ça va aller. Ne t'inquiète pas, je ne m'inquiète pas, mais un peu quand même. Allez, hop. C'est sûr que c'est pas la meilleure des solutions. Comme ceci, voilà. Et donc celui-ci, il va venir du coup se mettre au ras, hop, de chaque. Donc j'espère que vous comprenez un peu. Alors, hop. Bon, je vous mets un petit peu en musique ou et légèrement en accéléré. De toute façon, vous voyez un peu ce que j'ai voulu dire. Hop. Thank you.
Donc voilà, donc j'ai tout mis tout autour, j'ai rajouté aussi tout autour ici. Voilà. Alors, hop, du coup ça va venir comme ceci. Alors, il est un petit peu, vous voyez, ça rentre presque, mais c'est normal, c'est parce qu'on n'a pas encore mis notre papier autour, donc il va reprendre encore un petit peu d'épaisseur. Alors, donc là, pour un bien, il faut prendre du papier, hop, comme ceci, et puis venir tout recouvrir. Donc, moi, je pense que je vais calculer. Alors, je vais vous faire montrer, mais je vais le faire hors cam, sinon ça, la vidéo va être trop longue. Mais je vais vous montrer. Donc là, j'ai 11 cm. Normalement, on a 11 partout. Ici, on a 7. Un petit peu plus que 7. Ouais. 7. On rajoute 16. Parce que du coup, celui-ci s'est mis comme ça. Non, c'est bon, c'est ça. Donc, avec l'épaisseur du scotch, ça fait un petit peu plus. Donc, on a 7. En fait, vous calculez votre longueur ici, plus celle-ci, plus celle-là. Et vous rajoutez 1,5 cm de chaque côté. Comme ça. 1,5 cm de chaque côté, donc à droite, à gauche et en haut. Comme ça, en fait, vous aurez votre pli à venir coller ici à l'intérieur. Vous allez venir recouvrir ici, hop, et les plis qui vont venir ici. Donc, je fais mon morceau et je vous montre ce que je veux dire. Alors, voilà, j'ai fait mon morceau. Donc, en fait, j'ai pris la mesure. Donc, j'ai mesuré ici, plus ça, plus ici. Donc, j'ai dû rajouter sur une feuille A4, j'ai dû rajouter un petit morceau. Donc vous le voyez ici, hop, mais bon, après derrière ça va pas se voir parce qu'on va le recouvrir. Alors j'ai ajouté à ça 3 cm, donc 1,5 cm de chaque côté, et j'ai fait la même chose ici. Donc là on a 16, non, on a 11, 11 tout pile normalement, oui, 11 tout pile. Donc j'ai rajouté aussi 3 cm, 1 cm en haut, 1 cm en bas. Donc j'ai fait mes plis, et ensuite j'ai mesuré ici, donc j'ai 7,2. Donc de ma base de plis, j'ai mesuré 7,2. J'ai fait un petit repère, j'ai fait un trait. Ensuite ici, j'ai pris la mesure, j'ai 16,1. J'ai fait la même chose et là, et la même chose. Donc ça nous donne ceci. Et ensuite, dans chaque pli, vous coupez en biseau, comme ceci. Là ici, vous pouvez couper comme ça. Hop, et en fait, ça va venir se mettre. Alors, des fois le pli, comme là je l'ai essayé, il faut que je fais le pli un petit peu plus loin. C'est pour ça qu'on a une base de 1,5. J'ai préféré mettre 1,5 pour être sûr. Donc là, hop, on le met bien. Hop, et du coup, vous mettez bien votre. Vous faites bien votre pli. Et là, en haut, hop, on viendra. Hop, voilà. Et du coup, ça sera fait. Et pareil pour ici en bas. Hop. Donc voilà, donc là vous collez pardon tout ça, et ensuite on va venir faire ce morceau ici, et après on va venir faire ce morceau là. Alors voilà, du coup j'ai tout bien collé. Bon là je laisse les épingles pour que ça colle bien parce que j'ai plus de double face. Je l'ai fini, mais bon c'est pas grave, du coup on fait la colle. Alors pour ici, là j'ai pris la mesure, je vais faire juste ce morceau là. Donc j'ai pris la mesure d'ici. Ah, ici, j'ai rajouté 1,5 cm de chaque côté, en haut, en bas, à droite et à gauche. Ça nous donne ceci. Vous coupez en biais et là, hop, on va venir du coup le mettre dans le fond et coller nos 1,5 cm ici et ici. Et celui-ci, il va aller derrière. Bon, là, ça fait pas très joli, forcément, comme là, ici. Mais là, je me dis que ça va être caché. Hop, contre, donc ça devrait pas se voir. Après, il suffit de remettre juste un petit morceau, mais j'ai coupé peut-être un petit peu trop court. Après, c'est avec le scotch, du coup. Mais là, du coup, on va assembler ça ensemble. C'est pas si facile que ça, hein. Surtout quand on n'a pas de tuto. Donc, je suis désolée si je vous mets toujours soit en accéléré ou soit si je coupe les parties que je colle. Mais c'est pour être sûr que si ça ne va pas comme ça, je peux refaire la séquence en fait. Pour celles qui font des vidéos, vous comprendrez. Je pense que même celles qui n'en font pas comprendront aussi. Soit après, c'est que du collage. Hein, donc, hop. Donc là, j'appuie bien en haut et en haut, dans les coins ici. Voilà, ici je vais juste
rabattre et mettre de la colle tout de suite. Et on va venir bien appuyer pour que ça colle. Hop. Double face aurait tenu tout de suite, mais bon, ce n'est pas grave. Hop. Ici, alors, on va faire la même chose sur le côté. Hop. On va faire là, ici aussi. N'hésitez pas à bien appuyer avec votre votre plioir ou quelque chose que vous avez. Comme là, on ne peut pas mettre de pince. Voilà. Et du coup, ici, cette partie-là, on va venir du coup le rabattre. Hop. Et là, ici, on peut mettre les pinces. Donc, on en profite, on sort cette petite pince. Hop. Alors, hop. Voilà. Donc là, on rappuie bien. Du coup, oh, désolé si je vous fais bouger à chaque fois, je tape avec ma tête. Voilà. Donc là, pour l'instant, on va le laisser tranquille. On va venir du coup remettre un petit morceau juste ici, mais là il faut pas les pattes de collage puisqu'on a déjà ici. Donc je pense qu'un morceau de 11, non pas peut-être pas 11 parce que ouais, un morceau on va dire de, pour moi 10,5 c'est bien. Donc je vais couper un morceau de 10,5 et je vais faire mon petit, ah, ici je vais peut-être remettre un peu d'épingle pour que ça tienne. Autant que je coupe tout ça. N'hésitez pas si vous avez des petites pinces ou quoi à mettre. Donc ici il va falloir faire un raccord comme on avait fait là ici. Du coup je vais le mettre, si je me trompe pas, je vais le mettre du même côté et je vous reprends dès que je l'ai découpé, comme ça on va venir le coller, hop, ensemble. Donc voilà, donc là j'ai coupé mon morceau de 10,5. J'ai pas eu besoin de faire de rajout parce qu'il n'y a pas lié à 1,5 cm. Alors, une petite astuce, en fait j'ai pris ici le premier morceau. Alors j'ai pas mis 7, hein, j'ai mis 6,7. Et ensuite je suis venue faire un petit pli à 6,9 et un petit pli à 7,1. Vous voyez, comme ça, ça se plie bien. Donc je suis venue faire mon pli. J'ai bien mis ici et ensuite j'ai appuyé comme ceci et comme ça mon pli s'est formé ici et du coup j'ai fait deux petits plis. Alors je vais vous essayer de vous montrer si le focus veut bien se mettre. Voilà, vous voyez, j'ai fait plusieurs petits plis comme ça, au moins ça se plie bien. J'aurais dû faire ça ici aussi, mais bon, vous voyez, en avançant on apprend de ses erreurs. Donc là maintenant ici on va venir du coup le coller à l'intérieur, mais avant, alors attendez, parce qu'il va falloir le coller ici et j'ai pas envie de le coller au pistolet à colle parce qu'au bout d'un moment ça va se décoller. Donc j'ai juste envie de faire une petite pâte de collage qu'on va venir coller ici avant. Je viens d'y penser parce que sinon hop, hop, hop. Donc ici, hop, voilà, on va venir faire une petite pâte de collage. Alors, on va prendre, si vous avez des chutes comme là, moi j'ai une chute comme ceci, je vais juste prendre la mesure. Donc, normalement, c'est 11. On va faire 11. Je recouperai s'il faut. Alors, il nous faut, du coup, il nous faut deux morceaux de 11 et on va, ah, j'aurais dû le faire ici avant. Ouais, j'aurais dû le faire ici avant. Sinon ici, hop, 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 ouais, il en faudra quand même une en bas aussi. Donc là, il nous en faudra une de 16. Donc là, 11 et 11, et une chute de 16. Alors, donc voilà, donc j'ai découpé deux morceaux, oui, là, ici, de 5 sur 11, et là, j'ai fait 5 sur 16. Donc, hop, on va couper légèrement en biseau
de chaque côté. Donc j'ai fait un pli à 2 cm sur les 3. Donc vous avez une partie à 2, une partie à 3 cm. Hein. Hop, ici, on rassemble et on coupe en biseau. Hop. Il va falloir que je prenne des cours de cartonnage, hein, parce que là, hop, ici. Je peux faire deux ici. Donc voilà, ici il y a deux plutôt. Hop. Hop. Et hop. Donc là. Donc j'espère que vous avez trouvé une meilleure solution. Ça a peut-être été un peu plus rapide que moi. Hop. Alors ici, du coup, on va venir. Je vais recouper un petit peu quand même. C'est comme ça, la petite pointe ici, hop. Bon, voilà. Alors, ici, on va venir coller les 2 cm ici. Hop. En fait, le fond, on aurait dû le mettre à la fin. Bon, c'est pas grave, de toute façon, comme je vais remettre, comme je vous ai dit, je vais mettre une petite déco, puis je vais mettre des pieds après. Hop. Donc ici, je vais mettre mes petites pinces au ras. Hop, pour que ça tient. Hop. On va venir faire la même chose ici. Alors, hop, on découpe les petites pointes. Que ça dépasse de trop. Hop, je vais recouper juste un petit peu comme ça. Hop. Voilà, parfait. Hop. Donc n'hésitez pas à rectifier un petit peu si faut pas que ça dépasse de trop. Pour l'instant, ça donne l'idée que j'avais dans ma tête, on va dire. Alors là, ici, pareil, on va devoir réajuster un petit peu. Donc, hop. On colle les 2 cm. Donc là, je vais laisser sécher tout ça un petit peu et je vous reprends. Bon, là, je pense que c'est bon. Hop, on enlève les petites pinces. Hop là, ici. Hop, hop. Et ça, du coup, ce sera comme ça. On appuie bien sur ce côté-là. Du coup, ça renforce un peu la boîte. Hop. Et là, oh, j'ai plein de colle sur les doigts. Là, du coup, on va peut-être pouvoir coller notre morceau ici. Hop, oui. Hop. Donc là, je colle ça. Je vous mets en accéléré là pour le collage.
Alors, donc voilà ma petite boîte. Ça prend forme, ça prend forme. Je pense que ici, on va venir pouvoir coller ça, mais on le fera après. Alors, moi j'ai sorti. Hop. Alors, attendez, je mets 3, 4 et 5. Voilà, hop, ici et ici. Oh, c'est monté ça. Hop là. J'ai sorti des petits pieds comme ceci. Donc, c'est des pieds de que je me sers en couture pour mes sacs. Ça fait comme une attache parisienne. Et j'avais envie de les mettre ici, du coup. Hop. Un dans chaque coin et un au milieu. Mais bon, pour cela, hop, j'avais une chute. Bon, focus, s'il te plaît. J'avais une chute, donc je pense que je vais le mettre ici. Malheureusement, on va voir ici. Alors, je vais regarder. Je dois avoir des coins. Je vais peut-être jeter dans la poubelle, forcément. Mais parce que ah ouais, mais ce côté-là, il va être collé, donc on va pas le voir. Oui, donc ça, c'est pas grave. Oui, donc c'est pas grave. Donc là, je vais coller celui-ci. En espérant que je vais arriver à faire le trou, parce que c'est comme du carton. Là, je vais dans le fond, je vais pas mettre de papier imprimé, hein. Ça sert à rien. De toute façon, ça sera en dessous. Par contre, ça, il va falloir bien le laisser sécher parce que si on fait le trou, ça risque de bouger. Donc, je laisse bien sécher et en attendant, qu'est-ce que je vais pouvoir faire? Je vais découper mon morceau qui va venir mettre ici. Donc là, on va venir coller comme ceci, donc les pattes qu'on a fait, et après, on va venir mettre notre papier ici. Donc, vous voyez, pour l'instant, alors, je vais essayer de mettre un gros truc comme ça. Hop! Pour l'instant, ça donne ça et en espérant que ça rentre. Hein. Il suffit qu'on a fait tout ça et que ça ne rentre pas. C'est ce que je dis. Ouf. C'est juste. Pourtant, j'ai pris de la marge. Hein. J'ai rajouté un petit peu. Mais ça va. Ouf. Ouf, ouf, ouf. Hein. Des fois, avec l'épaisseur et tout, c'est vrai que ça peut raccourcir un peu. Bon, au moins, il va pas se balader mon album dedans. Donc voilà. Donc là, je vais laisser sécher cette partie-là. Si je suis trifouille, ça va pas aller. Je vais couper mon morceau qui va aller là. Et on se retrouve. Donc, c'est sec. Alors là, je vais faire du coup mes petits repères pour hop, mettre mes petits brads. Hop, on va pousser ça. Alors là, je vais faire ici à 1,5, ça va être bien, je pense. 1,5 là et 1,5 là. Je fais mon repère ici. Hop. Voilà. Et ici. Voilà. Et là, ici, on va faire au milieu. Alors, on a 16 et demi, ça fait 8, à peu près 25. Voilà, hop. Allez, on est parti, on fait ces trous. Alors, j'ai la pointe là. Hop. Est-ce que ça passe? Un peu, hop, il y a de l'épaisseur. Oh, voilà, parfait. Mais c'est nickel. Ensuite, ici, faudrait pas qu'on ait fait ça et que tout s'abîme après. Hein. Ça serait un peu dommage. Hop, je tourne. On va faire l'autre. Alors, ça, vous pouvez les retrouver. Les pieds là, vous pouvez les retrouver dans le rayon couture si vous avez un centre à corps, un Action. Il n'y en a pas dans une mercerie.
aussi. Ça coûte à peu près 3, enfin ça dépend les marchands, on va dire. À peu près 3 euros pour 4. Bon, moi je les avais achetés ceux-là sur AliExpress, je crois. Il y a très longtemps que je les ai. C'était un gros lot et je l'avais partagé avec ma maman. Hop. Allez, on met ça. Hop. Pas rentrer celui-là. Hop là. Voilà. Voilà ici. Hop là. Donc là, voilà, comme ça tient bien. Hop, on ouvre du coup comme un brad. Hop. 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 Et voilà. Donc là, du coup, ça tient, hop, et ça fait très joli. Oui, là, je mettrai quelque chose quand même. Hein. On verra bien comment. Oui, parce que là en dessous, ça va se voir quand même. Bon, c'est pas grave. Donc là ici, on va venir mettre une chute de papier. Donc vous cherchez une petite chute que vous avez. Moi ici, on va être trop petite, bien sûr. Alors. Celle-ci, ou alors après je mets hop, trop petit, ça c'est trop petit, alors, c'est pas grave, je vais prendre cette chute ici, ça sera de l'autre sens, mais c'est juste pour cacher de toute façon. Alors, est-ce que ça marche? Un petit peu à recouper. Et là, c'est bon. Alors, hop, je colle ça tout de suite. Comme ça, en fait, ça cache mes petits trucs de bratte. Je vais peut-être mettre quand même un petit bout de ruban à chaque parce que. Alors ici, on va couper en deux. Essayez de ne pas trop le mettre au bord pour pas qu'on le voit. Hop. Ensuite. Parfait. Hop. Hop. Bon, faut quand même un petit peu ici, malheureusement. Voilà. Alors, là, ce qu'il nous reste à faire, on va finir ça, juste la structure, et je referai une autre vidéo pour la déco de devant, parce que je suis déjà à 40 minutes, là, bon, il y a des parties qui vont être accélérées, des parties qui vont être coupées, je pense, mais ça va être une longue vidéo. Donc là, je pense qu'on va venir, du coup, coller ça,
Et ensuite, j'ai déjà préparé, pour que ça sécher, mon papier qui va venir hop, se mettre ici et par-dessus. Vous voyez un petit peu, bon, c'est pas bien centré, mais je vais faire comme ça. À l'intérieur, je vais pas remettre du papier parce que vu qu'il passe juste mon mini, je tiens pas à être embêtée. Donc là, je colle ça. On vient mettre. Ça ici, hop. Alors on essaye de bien se mettre. Bien, du coup coller. On regarde si c'est toujours bon. Parfait. Hop. J'espère qu'il parlera pas trop quand même. Je vais regarder si vraiment il repasse bien toujours dedans. Voilà, parfait. Voilà, hop, je vais bien le laisser sécher. Voilà. Je vous montre, désolé pour ma chaise qui grince toujours. Donc là, je vous montre un peu ce que ça donne. Là, ici, on va venir décorer tout autour. Ici, bah, je vais faire ma petite déco, mais dans la prochaine vidéo. Et ici, je vais essayer de trouver un petit morceau de crème pour mettre quand même, parce que j'aime pas. C'est dommage, les deux autres, ils sont bien faits, sauf celui-ci. Mais bon. Mais sinon, je suis contente, c'est le résultat que je voulais. Maintenant, à voir avec la déco. Si, ça fait beau. Donc, voilà, pour cette vidéo, moi, je vous dis à très bientôt, donc dans quelques jours, pour
vraiment le final de ce projet. J'espère que cela vous aura plu et que ça n'a pas été très compliqué, même si ça a été un petit peu, mais bon, dans l'ensemble ça a été, mais bon, j'espère que vous avez réussi à comprendre un peu ce que je voulais vous dire et vous avez réussi votre base. Je vous souhaite une très très bonne journée et je vous dis à très très bientôt. Bye bye!